Bonjour à tous et bienvenue chez Colique Fantastique pour une petite vidéo où on va parler d'un petit sujet. Alors c'est vrai que comme ça tu t'es dit mais putain il s'est planté, on est sur Colique Éclectique. Mais non, on est bien sur Fantastique. Alors j'ai quand même un peu hésité, mais globalement c'était plus axé Fantastique. Pourquoi ? Parce qu'on va quand même parler de jeux vidéo. En gros, l'histoire ça va être de parler, est-ce que d'après vous, enfin comment vous voyez ça, le côté collectionneur de jeux vidéo avec le côté riche ? Tu vois, ce côté argent finalement collectionneur. En gros, c'est ça. Et ça fait un petit moment que je voulais en parler. Et je crois que là, j'ai eu le déclic, c'est en voyant le dernier « Je viens chez toi » donc de Wawa, chez François, donc collectionneur de Neo Geo, et qui a fait beaucoup réagir. Globalement, c'était plutôt positif. Mais il y en a quand même certains, évidemment. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu choquant, je veux bien l'admettre, mais bon, voilà, après chacun fait comme il le sent, c'est là où on va revenir. Ou évidemment, bah là t'apprends que finalement il y a quand même des jeux Neo qui vont coûter 25 000 balles ou 30 000 ou plus, tu vois. Il y en a qui savaient peut-être pas, tu vois. Donc c'est vrai que forcément ça peut leur faire un choc. Bon après quand t'es un peu habitué à l'histoire, tu sais. Mais voilà. Et si tu veux, c'est un petit peu ça fait une résonance aussi un petit peu avec quand je fais des vidéos, des avis à vivre sur des jeux qui parfois ont une grosse cote, et les mecs dans les commentaires qui disent « Ah ouais, encore un jeu trop cher ». Je vois pas le rapport en fait. Je vois pas le rapport en fait du truc. Tu vois, alors on est un peu là-dessus. Alors je vais un petit peu essayer d'avoir un fil, si tu veux, conducteur. Ça va pas être évident. J'ai une liste de notes, mais je vais essayer de comprendre. On va essayer de se comprendre ensemble quelque part. C'est le but aussi. Vous allez commenter et débattre peut-être entre vous dans les commentaires. Évidemment, en se respectant les uns les autres. Bordel de merde, c'est quand même un petit peu là-bas. Nous sommes des gentlemen, non? Donc, alors pourquoi je trouve ça un petit peu dingue? Si tu veux, moi, ce qui me paraît fou déjà, c'est que de base, j'irai pas commenter une vidéo. Alors que je viens chez toi de François, mais même une vidéo d'une collection d'un mec en disant ah ouais t'étales ton fric salaud, enfin j'exagère, mais en gros le message il est là, tu vois, ah en gros sale riche t'étales ton fric, etc. Putain, alors déjà ça me viendrait pas l'idée, parce que je veux dire à partir du moment où tu commences à commenter, à faire un tel commentaire sur une collection de jeux vidéo, comment ça se passe quand tu regardes la télé? Tu dois pas être bien, tu craches sur ton écran sans cesse. Comment tu fais quand tu tombes sur Automoto, par exemple, où il y a des mecs qui font des collections de bagnoles? Comment tu fais quand tu regardes un film avec Brad Pitt, DiCaprio, je sais pas quoi, qui démontre, qui valent des centaines de milliers d'euros? Tu fais quoi? Est-ce que tu vas sur Allociné et tu commentes, ouais, le film était pas mal, mais franchement, c'est des enculés de salles riches. Comment on arrive à cette démarche-là, en fait? J'arrive pas à comprendre. Comment ça se passe si t'es fan du PSG ou que tu es fan de n'importe quelle équipe de foot, tu vois les mecs sur le terrain, y a pas un moment donné, tu te dis, ah putain, c'est putain d'enculé de Bourges, regarde les bagnoles qu'ils ont et tout. Non, tu vas peut-être même pas y penser, en fait. Tu vas dire, ah ouais, il faut qu'ils gagnent, allez Paris, tu vois. Et tu vas pas te dire, par contre, un mec qui va mettre sa collecte de jeux vidéo sur Internet, alors là, c'est ouais, sale riche, etc. C'est quoi la richesse, concrètement? Là, je te pose la question. On est tous le riche de quelqu'un, on est tous le pauvre de quelqu'un, évidemment. Mais il faut quand même concevoir un truc. C'est que les collectionneurs jeux vidéo, je pense pour 95%, hein, vraiment, et je mets François dans l'eau, sont des clodos. Nous sommes des clodos, les gars. Les vrais riches, c'est pas les collectionneurs de jeux vidéo. Ceux qui pensent ça, vous êtes vraiment à côté de la plaque. Les vrais riches, c'est les mecs qui collectionnent les montres, les bagnoles, ou des mecs qui vont investir dans des trucs de ouf, tu vois. Mais nous, on est loin de là, les gars. Faut relativiser un peu. Et si tu veux, c'est ce que je comprends, c'est alors, j'arriverai pas à faire ce genre de commentaire, même sur un mec qui fait une collection de voitures. Si tu veux, ça m'aurait pas l'idée. Déjà parce que je regarde pas. Si ça me plaît pas, en fait, je regarde pas. Donc je veux pas aller commenter en disant ouais, t'es qu'un sale riche, t'exposes tes voitures, enculé. Bah mec, si ça te fait kiffer. Et ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu fais une collection de jeux vidéo, de voitures, enfin peu importe, évidemment, ça met un certain budget, on est d'accord. Mais si t'en es arrivé là, théoriquement, c'est que c'est le fruit de ton travail et que c'est un choix que tu as fait, c'est un choix de vie. Donc pour faire ce choix de vie, t'as certainement dû faire des sacrifices. Tu vois, ça veut dire que bon, moi je me suis consacré grosso modo aux jeux vidéo, pas qu'à ça parce que je voyage aussi pas mal, mais aux jeux vidéo. Mais je veux dire, à côté de ça, voilà, j'ai décidé de pas avoir de famille, je joue pas au casino, j'ai pas investi dans plein de trucs. C'est des choix de vie. En fait, il y a un moment donné, faut juste être en phase avec ce que tu as envie de faire. Et je me demande si les mecs qui critiquent ça,
est-ce que ils sont en phase avec ce qu'ils ont envie? Est-ce que c'est pas de la frustration finalement de d'émettre une telle négativité? Tu vois, ça m'intrigue en fait. Ou alors c'est vraiment peut-être des mecs qui sont dans la merde. Et ça évidemment ça peut arriver. Mais un mec qui est dans la merde, pourquoi il va faire chier un autre gars qui n'est pas dans la merde? Parce que ce soit la situation de François, la situation de Brad Pitt, ma situation, en fait, on a strictement rien à voir avec toi. C'est pas de notre faute si t'es dans la merde, tu vois. Si encore tu critiques une vidéo, je sais pas, j'ai une connerie, mais t'as ton patron, imagine, ton patron, il est riche, il fait des vidéos YouTube, admettons, tu vois, et que tu t'es fait virer comme une merde, vraiment, admettons, tu as un truc sale. Bah que t'es les boules contre lui et que tu mets ce genre de commentaires, je peux comprendre. Mais des mecs qui ont réussi ou qui ont réussi à faire une belle collection, à avoir un truc, bah tu connais pas leur vie déjà, tu sais pas les sacrifices qu'ils ont fait pour en arriver là, et tu connais rien. Et qu'est-ce que tu vas emmerder ces gens-là? Et pourquoi tu vas même les juger? Pourquoi tu vas juger débile ce qu'ils font? Ou pourquoi tu vas trouver ça honteux? Tu vois? Parce qu'à ce moment-là, toi, même si t'es dans la merde, admettons, hein, je prends un mec qui est un peu dans la merde, puis au RSA, tu vois, admettons, tu vois, puis au RSA, t'es en galère, mais t'as un chez toi, t'as peut-être potentiellement même une voiture. Bah pour un mec qui est dans la rue, il va trouver ça honteux que t'aies une bagnole, tu vois. Je veux dire, il y a toujours un décalage au final. Donc l'idée c'est de comprendre comment on arrive à ce stade-là, tu vois, parce que c'est vrai que l'argent dans le jeu vidéo, bon bah c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font ça peut-être vraiment que pour investir. Il y a des passionnés, il y a de tout évidemment, ça peut-être j'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais j'ai envie de dire, on s'en branle en fait. Tu fais ce que tu veux tant que t'emmerdes personne. Bah tu fais ce que tu veux, donc il y a pas de jugement à émettre. Et aussi il y a quand même quelque chose qu'il faut rajouter là-dedans, c'est que contrairement à des collectionneurs de bagnoles, à des collectionneurs de montres, une fois de plus, ou des je pense toujours balais de bagnoles et montres, mais bon, il y a plein d'autres trucs au final, des œuvres d'art, tu vois, évidemment, tu vois, ce genre de trucs. Le jeu vidéo, c'est gratos. Enfin, le jeu vidéo rétro, les émulations, les trucs, etc. Aujourd'hui, la collecte de François, tu l'as gratos. Tout ce que je te présente dans toutes les vidéos, à part les jeux récents, mais c'est rare, c'est gratos. Donc c'est ça qui est en plus exceptionnel, je trouve, avec la collection de jeux vidéo, c'est que je vois même pas pourquoi on peut être frustré de montrer des pièces comme François là avec son jeu à 25 000. Tu l'as pour zéro, donc fais pas chier. Je veux dire, tu vas éprouver quasiment le même plaisir de jeu. Alors je chipote, mais bon, globalement, tu vas pouvoir jouer au jeu qui coûte 25 000 euros gratos. Ce qui n'est pas le cas d'un mec qui a une Lamborghini. Tu vas pas trouver une Lamborghini gratos. Tu vas devoir rester avec ta petite Opel Corsa. Tu vois ce que je veux dire? Ça, t'as pas le choix, là. Je veux dire, à un moment donné. Donc, c'est quand même l'avantage aussi du jeu vidéo, mine de rien. Donc, pourquoi se focaliser sur la valeur de l'objet? Tu vois? Sachant que c'est une valeur éphémère qui va bouger, qui bouge sans cesse, qui peut s'effondrer du jour au lendemain, ou qui peut augmenter. Enfin, on s'en fout, en fait, quelque part. Chacun met la thune là où il a envie de la mettre. Voilà ce que j'ai envie de te dire, tout simplement. Et c'est vrai que, pareil, pour revenir à la vidéo du JVCT de François, que j'ai trouvé très intéressante, le seul truc que j'ai trouvé ça dommage, en fait, c'était la petite justification, mais c'est pas lui qui l'a dit, c'est Wawa qui a dit, ouais, parce que tu en plus, il héberge des Ukrainiens, etc. C'était genre, c'est un bon gars, en fait, il a beau être vachement riche, il a de la Neo Geo. En fait, ça sous-entendait ça pour moi. Peut-être je l'ai mal perçu, mais je trouve que c'était pas nécessaire de le préciser, en fait. Ça veut vraiment dire, il est quand même généreux. Tu vois, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le dire? En fait, on s'en fout quelque part. Chacun fait ce qu'il veut. Pareil, si tu peux héberger des Ukrainiens et tout, on s'en fout. Et ça n'a pas de lien avec sa collection, avec ce qu'il fait. En fait, ça faisait une sorte de justification. J'ai pas trouvé ça ouf. Je sais pas comment. C'était pas volontaire. Je sais pas comment ils ont tourné ça. Enfin, François voulait pas en parler apparemment, mais voilà. Bon, c'est juste ça que j'ai trouvé bizarre, parce que bien ça conforte un peu les gens en disant ah ouais, mais tu vois, il a une collection de ouf Neo Geo, mais en même temps, bon bah t'as vu, il est gentil, il héberge des Ukrainiens, tu vois. J'ai pas compris le délire, en fait. Pour moi, c'est hors sujet, en fait. C'est autre chose. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est une petite vidéo. C'est pas coup de gueule. C'est un peu. C'est essayer de comprendre, en fait. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Quel est votre état d'esprit par rapport à ça? Est-ce que ça vous casse les couilles de voir des mecs qui présentent des jeux super chers ou des collections avec des jeux super chers? En quoi ça vous frustre? Qu'est-ce qui vous dérange? Oui, c'est vrai qu'à une époque ça coûtait que dalle, maintenant ça coûte cher. Peut-être que vous avez revendu et vous êtes dégoûté aujourd'hui, c'est possible aussi, mais bon, c'est la vie, quoi. C'est pas de la faute du mec qui présente le jeu ou qui présente sa collection,
tu vois. Et comment tu vis dans ce cas-là, les footballeurs, les stars hollywoodiennes, comment ça se passe, comment tu gères quand tu vois dans les magazines les habits qu'ils ont, les montres, les machins, les soirées qui se font, etc. Comment tu le vis à titre personnel? Est-ce que ça te frustre autant qu'un collectionneur jeux vidéo, voilà, qui s'est acheté un jeu à 200 balles, tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'ai envie, j'ouvre le débat, tu vois, quelque part, donc maintenant, débat, hein, j'ai envie de te dire. Et puis, bah, moi, sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo, on verra de quoi. Ciao!